Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire mon petit outfit of the day. Avant ça les filles, aujourd'hui on va bruncher au Salmon. Je suis trop contente, c'est vraiment un des meilleurs brunchs que j'ai fait de ma vie. J'essaye d'y aller à chaque fois que je viens à Marrakech, quand il y a de la place bien évidemment. La semaine dernière je voulais inviter mon père et ma maman, vraiment ça me tenait trop à cœur, mais le temps n'était pas au rendez-vous. Vraiment il pleuvait trop à Marrakech, du coup ils pouvaient pas voir le spectacle avec les chevaux. C'est compréhensible, c'est très dangereux avec la pluie. Du coup là j'ai décidé d'inviter ma belle-mère tout simplement parce qu'elle aussi elle aime beaucoup les brunchs, elle aime bien manger comme moi. Donc voilà, on va passer un bon moment. Je vous fais mon petit outfit du jour. Donc j'ai mis ce petit bermuda. Alors il me semble les filles que c'est un Claudie Pierrot. Un petit polo Ralph Lauren, j'ai mis mes petites claquettes, mon sac avec mon chapeau. Voilà, je trouve que c'est le thème brunch. Vu que voilà, thème chevaux et tout Ralph Lauren. Let's go. Dime, esto es lo que tú querías. On arrive au Salmon. Alors moi je suis déjà venue, je vous avais déjà montré pour mes nouvelles. Je vais vous faire une petite visite. C'est un des plus beaux hôtels d'Afrique. Il a été élu un des plus beaux hôtels d'Afrique. C'est incroyable. Oh, je dis que c'est mon endroit préféré, j'aime trop passer du temps ici. La dernière fois que je suis venue ici, les filles, j'étais enceinte. Là maintenant, je suis avec mon petit bébé. Alhamdoulilah, chocolat. Vous avez des tangia, franchement le brunch il est tellement complet. Vous avez les plats traditionnels marocains, franchement vous avez tous les tagines possibles et inimaginables. Vous avez le côté italien, vous avez le côté asiatique, là on a les pâtisseries. Là vous avez le côté fruits de mer comme je vous ai montré. Ils vous crient les fruits de mer sur place. Avec des légumes, tout en ayant les magnifiques chevaux et le hara à proximité, c'est magnifique. Et la vie des crevettes? Tu as faim? Thank you.
Aïcha. C'est derrière moi, Aïcha. C'était magnifique. Là, on va aller aux écuries. J'aime trop aller voir les chevaux. Ils sont super bien traités, super bien logés, vraiment. C'est magnifique. Ils ont de l'espace. On va aller faire montrer à Isaac. Va dire coucou. Super bien traité les chevaux, ils ont tous les équipements possibles. Je vais vous montrer à l'extérieur. Ça, il y en a un quand je l'avais vu. C'est un pur sang arabe celui-là aussi. C'était incroyable, vraiment spectacle magnifique, le brunch 10 sur 10. Ma belle-mère, elle a adoré. Téléphone, elle avait un problème, désolée, là il vient juste de refonctionner. Je viens de vous poster le jeu concours les filles, participez du coup. Je vous offre un voyage à Marrakech, les billets d'avion compris, la villa, la location de voiture, les activités. Je vous mets tout de suite le lien sur Instagram. Débrief de ces vacances, elles étaient tellement ressourçantes, tellement reposantes. On a passé de merveilleux moments avec ma belle famille, avec mes parents aussi. Ce sera vraiment des souvenirs qu'Inch'Allah, que j'espère qu'on recréera, qu'on refera des vacances. Là, je vais aller m'occuper du linge et je vais aller faire les valises. Juste après manger, d'abord, on va aller manger tous ensemble. Je vais faire les valises comme ça, après, on aura toute la soirée encore pour profiter. Et ensuite, bah, demain, retour à Paris. D'un côté, j'ai hâte de reprendre ma petite routine. On va se régaler. Elle nous a fait, Jamila, une salade de fruits. Alors là, elle nous a fait un assortiment de salades. Ça a l'air incroyable. D'ailleurs, les filles, vous m'avez beaucoup demandé le contact de Jamila. Je vais vous le mettre, elle m'a donné l'autorisation. Et s'il vous plaît, les filles, soyez super gentilles avec elle, de la bienveillance. De toute façon, je sais très bien, vous êtes trop gentilles. Mais comme j'ai dit, les filles, elles parlent pas très bien le français. Donc il faudra communiquer avec elle en arabe. Si vous avez besoin de ses services sur Marrakech, il faudra communiquer avec elle en arabe. Et du coup, les filles, pour la villa, c'est la villa Jamel. Il y a Jamila, il y a la villa Jamel. Il y a que des Jamel qui est des Jamila. Mais on l'a que c'était vraiment pas. Je savais pas que Jamila allait s'appeler Jamila. Et on l'a que la villa Jamel, en gros, c'est tombé tout seul. Mais bon, en tout cas, la villa, je me sens trop bien dedans. Je reviendrai, Inch'Allah. C'était trop bien. Comme j'ai dit, elle est positive. La villa, il n'y a que des bonnes ondes. Et on a créé des merveilleux souvenirs. Je sais que là, la villa Jamel, ils font moins de 10% en venant de ma part pendant 48 heures. Donc profitez-en, les filles. Je vous mets du coup le nom de la villa. Gardez-la si vous venez sur Marrakech. Concernant les activités, les filles, bah, TB Marrakech, hein, vraiment, comme je vous dis, les best. Que ça soit le quad, le buggy, le désert d'Agafay, pareil, ça, je m'en souviendrai. Il était trop, trop bien, celui-ci. Même aujourd'hui, les filles, pour le Salman, pour vous dire, le Salman, la réservation au Salman, j'arrivais pas à la faire. J'arrivais pas. Quand j'étais en France, j'ai appelé, j'arrivais pas à les joindre. Et bah, eux, ils ont les contacts dans tout Marrakech. Et du coup, ils ont réussi à m'avoir la réservation.